entendez aux lèvres. Ce mot, c'est merci, merci, merci. Merci parce que depuis que le tournoi a commencé, nous étions avec vos frères à Ottawa. L'ambassadeur aurait voulu être là avec nous et il nous a chargé ce jour de venir soutenir, de venir festoyer avec vous. Et nous sommes là et la victoire est là. Je voudrais vous dire merci. Merci au nom de l'ambassadeur Ouattara Fétivier qui est fier de vous et qui sait que la Côte d'Ivoire a organisé et la Côte d'Ivoire, notre sublime Côte d'Ivoire, retiendra cette coupe. À la fin, le 11, nous aurons cette coupe. Voilà. Non, je suis Laura. On est content d'être là. C'est la Côte d'Ivoire tous les jours. On est béni. On ne sait pas pourquoi, mais on est béni. C'est Dieu qui nous bénit tous les jours. Nous sommes encore là à l'Afro-Musée. La Côte d'Ivoire vient encore de gagner. On part en demi-finale. C'est vraiment plaisant. Le bataille va continuer jusqu'à la fin. Sachez une chose. Dieu, c'est un Ivoirien. Dieu, c'est un Ivoirien. Rendez-vous à la demi-finale. On se retrouvera certainement le 11 ici encore pour fêter ensemble la victoire des éléphants. Bonjour, je suis Sandrine Aurore Kwaku. Je viens de la Côte d'Ivoire. Je suis venue ici pour regarder le match. J'ai une amie qui m'a donné l'adresse. Franchement, c'est une très bonne ambiance parce que depuis le début de la CAN, on regarde les matchs à la maison. Donc ça fait plaisir de venir voir d'autres frères ivoiriens, plusieurs nationalités fêter ensemble. Franchement, j'ai adoré l'ambiance. Pour la demi-finale, je viendrai. Pour la finale, oui, oui, je viendrai. Donc, aux éléphants aussi, je leur souhaite bonne chance pour la suite. Dans le match, le Mali dominait beaucoup. Les éléphants étaient beaucoup plus timides, mais vers la fin, ils se sont réveillés. Donc, le Mali n'a pas démérité non plus, mais la Côte d'Ivoire a gagné. Je crois qu'on a un mental de fer. On n'a pas abdiqué, on n'a pas relâché. Malgré tout ce qui s'est passé, les deux pénaltys, le premier qui n'a pas été sifflé, le deuxième pénalty, il y a eu le carton rouge et on est resté toujours focus. On avait toujours à cœur de gagner. Nos éléphants nous ont fait plaisir et continuent de nous faire plaisir. On sera toujours derrière eux. Mon nom c'est Sarah. Je suis venue aujourd'hui à Bakta pour pouvoir regarder le match de Côte d'Ivoire. Donc l'ambiance était vraiment super et nous sommes les meilleurs. Donc maintenant l'humilité c'est fini là. Donc on se retrouve au final et on va prendre la coupe de la... C'est tout, merci. Et tout et tout. Franchement c'est un match super. La Côte d'Ivoire c'est un pays qui est fort, on est béni. La différence c'est à chaque fois que Haller rentre. Quand notre joueur Haller rentre sur le terrain, ça galvanise tout le monde. Et puis on commence à mettre le match bien. Bref, on a gagné ensemble en demi-finale. Je suis ivoirien de père, de mère, de grand-père, de grand-mère. Il a dit que la Côte d'Ivoire va gagner, ils m'ont pas cru, mais maintenant ils vont me croire parce que on n'est pas là pour s'amuser. Oui, on va tous les coups du bateau. Coups, le Congo. Je suis Alice Yapi, le match a été super, super. La différence c'est que la Côte d'Ivoire est humble, la Côte d'Ivoire est forte et la coupe reste chez nous. Chez nous, la coupe va rester. Merci à Kessier qui a joué et Fofana aussi qui a très bien joué. Merci la Côte d'Ivoire et la coupe reste chez nous. Merci Alice Yapi, bye bye. Moi c'est Henri Tano aka Delbanks à la finition. Franchement, l'ambiance ici c'est un peu comme au pays. Ça fait en fait, ça donne des anciens souvenirs de quand on était jeunes et tout. Et franchement le match, ça a été très compliqué pour les éléphants au début. Parce que voilà, on a eu un carton rouge. Mais au final, les Maliens, carton rouge, on joue à 10. On vous a laissé plus condition, vous n'êtes pas gay, vous allez vauriller. Ça va parler ça. Quittez là. Merci à vous. Et puis, éléphant toujours, jusqu'à la mort. Je m'appelle Cynthia. C'est l'ambition, l'engagement en fait, des joueurs ivoiriens. On est ivoiriens, on est fiers de l'être. Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. Et Dieu ivoirien, Dieu ivoirien, Dieu ivoirien. Le Mahomet, il est ivoirien. Le Jésus-Christ, il est ivoirien. C'est qu'il a su. Dieu, Caro, il est ivoirien.